Ah, peut-être tout d'abord, c'est de recentrer ce livre dans son contexte. Le contexte, c'est 50 ans de travail. Je disais 50 ans de pratique analytique, à un moment où aussi beaucoup de petits patients sont devenus grands et sont revenus me voir, ou sont revenus voir des collègues. Et donc, cette expérience, ces retours, à un moment où la psychanalyse est quand même très discutée actuellement, je tenais à témoigner un tout petit peu du travail analytique, et puis des difficultés rencontrées, mais aussi des bienfaits que traitement analytique, même dans des conditions difficiles, pouvait donner comme résultat. Avec une idée, c'est être psychanalytiquement non psychanalyste, c'est-à-dire en étant beaucoup plus au niveau de l'esprit de la psychanalyse que de la lettre de la psychanalyse. Alors, pour répondre à votre question sur les abusés narcissiques, je crois que nous sommes dans une société où l'âge de la latence est passé aux oubliettes complètement, au profit des bébés et des adolescents qui suscitent beaucoup de réflexions et beaucoup d'engouement. Or, l'enfance est une période tout à fait fondamentale, on n'a qu'une enfance, et je pense que tout mon regard s'est fixé sur cette période-là. Alors, abusé narcissique, ça veut dire que ce sont des enfants qui, très précocement, ont rencontré des multiples dommages qui ont mis en danger, en péril, le développement de leur fonctionnement psychique. Ces dommages sont, ça peut aller du père au chômage, aux situations de séparation difficiles, mort d'un parent, mort d'un grand-père, etc., etc., surendettement, en fait, des tas de choses, d'événements qui arrivent dans la vie d'un couple, qui mettent en danger les investissements qu'on a par rapport au bébé qui vient de naître, qui fait que ces enfants ont un narcissisme inorganisé, à partir duquel la sexualité infantile ne peut pas s'organiser de façon saine. Alors, certes, ils grandissent, certes, ils ont des moments névrotiques, des moments psychotiques, des moments de bonne qualité, mais il y a un piège pour toutes les personnes qui s'occupent de ces enfants, c'est de ne pas se rendre compte qu'en fait, ils ont des identités précaires. Et que donc, ça pose de nouvelles formes de travail avec eux et de nouvelles formes de pensée aussi pour les soignants. Bah, ces enfants ont besoin d'abord, en ayant une identité précaire, ils ont besoin qu'on les place, qu'on les mette dans des situations de confort identitaire. Ça nécessite beaucoup de préalables avant de pouvoir entrer en relation avec eux. Et on est obligé d'utiliser beaucoup de médiations, des médiations les plus diverses, des médiations qu'on connaît habituelles, mettons le théâtre, la lecture, des tas de médiations de ce genre, mais aussi des médiations qui viennent de la créativité du thérapeute et de la créativité de l'enfant avec le thérapeute. Dans la mesure où la créativité du thérapeute rejoint celle de l'enfant et qu'il y a là une créativité commune qui me semble fondamentale avec ces enfants pour pouvoir faire qu'ils grandissent dans de meilleures conditions. Je l'avais en tête depuis longtemps, puisque certains des chapitres de ce livre ont paru dans d'autres livres ou dans des revues. Mais j'ai tenu à les rassembler parce qu'il me semble que ces enfants méritaient un livre. C'est-à-dire méritaient qu'on puisse s'intéresser à eux dans leur globalité, dans la mesure où la terminologie de abusé narcissique et inorganisé narcissique précoce n'est pas encore tout à fait passée dans le public. Même si ce sont des enfants qu'on rencontre un peu partout. Hein, c'est des enfants qu'on rencontre dans les CMP, dans les institutions, dans les MECS, dans les ITEP, qui finalement méritent qu'ils aient un intérêt psychopathologique. Et donc, c'est un essai de psychopathologie, et un essai de psychopathologie qui ne peut pas faire l'impasse de l'environnement, puisque ces enfants tiennent par l'environnement.
Ils se construisent en fonction de l'environnement et bien entendu en fonction des personnes qui s'occupent d'eux, entre autres un psychothérapeute, mais pas qu'un psychothérapeute, donc des équipes éducatives aussi, puisque moi je travaille beaucoup avec des équipes éducatives. Et je pense que c'est dans le soutien et l'étayage de l'environnement qu'ils peuvent progresser. L'écriture du livre est un peu particulière. Un peu particulier en ce sens que quand on s'occupe d'enfants, on n'est pas forcément dans les mots, on est aussi dans les images et du rapport des images aux mots. Et dans ce rapport des images aux mots se pose le problème de la métaphore. Je pense que ces enfants ont besoin d'une pensée métaphorique et cette pensée métaphorique est à l'œuvre dans tout le livre. Avec des choses un tout petit peu particulières. Alors, on m'a reproché de faire beaucoup de citations, on m'a reproché, par exemple, de faire des redites, mais en fait, c'est volontaire. Je crois qu'une citation, c'est aussi faire paraître un tiers à ma place, là, au niveau d'une pensée que je ne veux pas résumer ou dont je ne veux pas m'approprier. Et les redites, il y en a un certain nombre, elles font mouche parce que les gens, en lisant le livre, ça revient en boucle comme une comptine. Et ce sont des redites qui me semblent fondamentales par rapport à l'organisation psychique de ces enfants et au travail que je fais. Donc c'est une écriture un peu particulière.